climat économique morbide pour l'inauguration de la conférence Indaba Mining à Cape Town ce lundi. Le forum africain annuel est le plus grand événement de l'investissement minier au monde, mais cette année, il survient au milieu d'un ralentissement inquiétant du secteur des matières premières. La baisse de la demande de la Chine et l'offre excédentaire de certains matériaux a poussé beaucoup d'entreprises vers la suppression d'emplois ou le dépôt de bilan. L'industrie pétrolière, frappée de plein fouet par la baisse du prix du baril, va encore devoir se serrer la ceinture. Malgré les mauvais auspices, environ 7 000 délégués sont attendus à la conférence, soit 1 000 de plus par rapport à l'année dernière. Le directeur général de Mining Indaba, Jonathan Moore, se voulant optimiste, a déclaré que la période restait propice à l'investissement. Les bailleurs de fonds auront 3 jours pour se décider. La 20e édition du forum s'achèvera le 11 février prochain.